comment utiliser le pouvoir de la préparation mentale, émotionnelle, physique et même énergétique pour pouvoir attirer ce que vous voulez dans la vie et dans le business et faire partie du top 2% des entrepreneurs ou des passionnés de liberté qui sont de la haute performance. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 enseignements stratégiques qui vous aideront concrètement lorsque vous les utiliserez et vous les appliquerez et vous les comprendrez à pouvoir utiliser le pouvoir de la préparation dans différents cas de figure afin d'accélérer votre réussite et tout ce qui est important pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord merci et bienvenue d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des enseignements stratégiques. J'ai d'ailleurs tourné ce matin des quelques vidéos que je vais vous publier dans les prochains jours. Donc pour ne rien manquer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite d'appuyer une deuxième fois pour valider la cloche et d'être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce que vous avez un événement important qui est prévu dans votre vie et vous voulez vous préparer de la meilleure façon possible pour le réaliser avec grand succès. Ou alors vous avez vécu un événement passé qui n'a pas été un grand succès, vous avez eu le sentiment qu'il vous manquait cet élément important qui est cette fameuse préparation. Ou alors vous voulez savoir comment font les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs passionnés de liberté dans leur domaine spécifique pour se préparer mentalement, émotionnellement, physiquement et même énergétiquement avant de pouvoir démarrer un projet et de pouvoir réussir à se démarquer, à se différencier, obtenir des résultats conséquents. Si vous vous retrouvez dans un de ces cas de figure, bienvenue à vous et sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des outils puissants pour vous aider surtout au niveau mental et émotionnel à pouvoir véritablement utiliser cette force, ce pouvoir de la préparation. Avant d'entrer dans les 7 stratégies, il faut savoir qu'il y a 2 grandes erreurs qui sont souvent commises par les personnes que je rencontre ici et là. La première des erreurs qui est souvent commise, c'est de vivre les événements de la vie et des affaires sans penser à se préparer, à la dimension de préparation en disant, en se pensant au fond de soi que c'est pour peut-être les sportifs qui doivent se préparer avant un match, c'est peut-être pour les virtuoses ou les musiciens qui doivent s'entraîner ou se préparer avant une représentation ou de se dire que c'est peut-être simplement pour les acteurs ou les artistes ou voilà les sportifs de haut niveau sans réaliser qu'en réalité tout ce que vous faites dans la vie ou dans le business est un peu comparable à un sport de haut niveau, à une représentation importante, à quelque chose qui peut marquer toute la différence pour vous. Sachez juste une chose, c'est que l'importance, le degré d'importance qu'un sportif de haut niveau donne à sa compétition, donc la raison pour laquelle il s'entraîne le jour, le matin, le soir, les semaines, les week-ends, fait certains sacrifices dans sa vie pour y arriver, sa raison de cœur à lui, l'importance que ça a pour lui, eh bien ce même niveau d'importance est équivalent à peut-être vous, votre projet que vous voulez réussir. C'est-à-dire, ça peut être pour vous un simple entretien, d'entretien, de recrutement, d'embauche. Ça peut être un simple échange avec un partenaire qui pourrait être décisif pour votre vie. Ça peut être la rencontre avec la personne qui passera sa vie à vos côtés. Ça peut être un échange avec une personne, votre belle famille ou votre famille ou un business dans lequel vous souhaitez vous lancer avec un financier, un investisseur, un partenaire d'affaires. Bref, quel que soit le type d'événement, sachez que si vous commencez déjà mentalement à modifier ce paradigme en vous disant il faut pas simplement vivre les événements de façon aléatoire, au hasard, mais de les préparer comme si c'était une grande compétition pour un athlète. Parce que ce qui est important pour lui, pour moi, est tout aussi important. Cet échange, ce partenariat, ce business, cette personne qui va passer sa vie avec moi, c'est important. Donc là, déjà, la première des erreurs, c'est d'évaluer ou en tout cas de sous-estimer cette importance. Et je souhaite vraiment que vous puissiez déjà le comprendre pour pouvoir le corriger. Et beaucoup de gens me disent, mais pourquoi est-ce que je préparerais les choses de ma vie personnelle ou privée? Je vais perdre de mon naturel, je vais perdre de ma spontanéité. Ok, si vous allez dans ce sens-là, pourriez-vous dire la personne par exemple qui manque de tout, qui rate tout, qui n'est pas heureuse dans sa vie en se disant à chaque fois ben, pourquoi est-ce que je devrais faire un effort par exemple dans tel cas, par exemple pour me présenter plus correctement à mon prochain entretien d'embauche. J'ai pas besoin, je vais perdre mon naturel. Ok, à force de se dire ça, à un moment, il rate tous les entretiens, personne ne l'accepte, ça lui coûte quoi? Peut-être sa vie de couple, un divorce, ça lui coûte peut-être un regard différent de sa famille, de ses proches, un manque de fierté. Et si lui, il le vit mal à l'intérieur de lui-même, cette simple réflexion qu'il a eue au départ en disant « je vais perdre mon naturel si je ne fais pas les choses spontanément », en réalité, c'est une fausse excuse qui encourage
la paresse ou la flémardise ou le manque d'exigence personnelle qu'on peut avoir à l'égard de soi-même. Et cette même exigence qu'a ce sportif de haut niveau, cet artiste ou même cette personne passionnée de liberté qui fait partie du top 2% des passionnés de liberté. Donc vous l'aurez compris déjà, effacez cette mauvaise idée en vous disant « je fais tout au hasard ». Il faut pouvoir ici préparer les choses qui sont importantes pour vous. La deuxième erreur, c'est, vous allez peut-être vous dire que c'est contradictoire à ce que je viens d'expliquer avant, mais c'est très complémentaire. La deuxième erreur, c'est de ne se préparer uniquement que pour des événements spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se préparer uniquement pour des événements spécifiques, comme je vous l'ai recommandé avant, sauf que, en réalité, il faut se préparer en permanence. Vous ne devez pas vous préparer uniquement pour des événements spécifiques, vous devez vous préparer en permanence. Les vrais top 2% des entrepreneurs passionnés de liberté qui ont les plus belles réussites, ou les vrais musiciens, les vrais artistes, les vrais champions, ont développé cette capacité, cette mentalité à se préparer en réalité tous les jours de leur vie. Et ça ne demande pas un effort si vous aimez ce que vous faites, si vous voulez progresser. Et l'être humain est fait pour progresser. Quand on ne progresse pas, on recule. Et si vous observez bien autour de vous, vous allez observer que les personnes qui se démarquent de votre entourage, proche de vous, ne s'entraînent pas uniquement pour des choses spécifiques, ils s'entraînent tout au long de leur vie pour des choses spécifiques. Parce qu'ils savent déjà qu'un jour ça leur arrivera. Et lorsque ça leur arrive, ce n'est pas une surprise pour eux. Ils sont très bien préparés. Je vais vous citer un exemple. Imaginez ceci, on va prendre une campagne politique, élection présidentielle dans n'importe quel pays. On sait que tous les candidats se battent. Au début, les candidats, c'est monsieur et madame tout le monde peut les toucher, tout le monde peut les approcher. Et ils sont en compétition les uns les autres. On a le sentiment qu'ils progressent, ils avancent, il y en a plusieurs. Et puis au fur et à mesure, il y a une sorte de délimitation comme ça parce que certains sont disqualifiés. Et puis à la fin, il y a un grand gagnant qui devient enfin comme ça, par exemple, le président de la République. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, peu importe. Imaginez dans votre pays, le président de la République. Et du jour au lendemain, il doit rentrer dans tout un protocole, il doit avoir une certaine stature, il doit prendre certaines décisions, discuter d'une certaine façon avec les personnes. Et du jour au lendemain, il est capable de le faire. Vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir comment est-ce que, avant c'était monsieur et madame tout le monde, on pouvait le toucher, on rigolait, on était d'une façon. Et puis du jour au lendemain, même si on peut encore rigoler, même si on peut, il y a une forme de posture, quelque chose qui est en réalité un peu différent. Mais pourtant, c'est la même personne. Ses proches savent que c'est la même personne. Les autres candidats qui ont été ses compétiteurs ou qui ont été ses concurrents savent que c'est la même personne. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette personne-là n'a pas attendu le jour de l'élection et le jour de la victoire pour commencer à être de la posture de cette autorité. Mais toute sa vie, en réalité, il s'est préparé à cet événement. Donc, ce n'est pas une surprise. Pendant qu'il était peut-être sous sa douche, adolescent, peut-être jeune adulte, il rêvait de cet instant et il se préparait. Lorsqu'il observe à la télé, par exemple, des émissions, il voit les gens parler, il s'imagine, si c'était à sa place, comment il réagirait. Quand lorsqu'il voit, par exemple, certaines personnes en train de convaincre et influencer, il s'imagine déjà dans cette place, dans cette situation. Ce qui fait que le jour où ça lui arrive, il n'y a aucune surprise pour lui. Et ça, c'est super important de comprendre que les vrais entrepreneurs passionnés de liberté, j'ai parlé de politique, mais ça marche comme ça pour le business. Les vrais entrepreneurs ne sont pas surpris des événements, même si c'est toujours plaisant et c'est toujours surprenant, même quand on sait. Toute leur vie, ils s'entraînent. Si vous voulez être le meilleur orateur du monde, toute votre vie, vous êtes entraîné à parler devant les autres. Si vous voulez être, par exemple, un dirigeant d'entreprise, un leader, toute votre vie, vous pensez à comment être plus inspirant, comment mieux communiquer, comment mieux impacter. Si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, au moment où vous suivez cette vidéo, devenir à votre tour une personne inspirante, influencer des millions de personnes dans le monde, créer un vrai impact. Vous savez déjà aujourd'hui, à chaque fois dans votre quotidien, dès qu'il se passe quelque chose, comment faire le lien, comment tout de suite avoir cette attitude avec cette projection mentale qui est très forte. Donc, ce sont ces deux premières erreurs qu'on fait souvent. Un, penser qu'il ne faut rien préparer et tout faire de façon aléatoire, au hasard total. Et puis la deuxième, c'est de se préparer uniquement pour un seul événement et puis le lendemain, on oublie tout, on revient à la vie normale et on perd tous ses acquis. Non, il y a une progression perpétuelle qu'utilisent ces entrepreneurs, ces passionnés de liberté pour pouvoir progresser en permanence. Avant de rentrer dans ces 7 stratégies, je vais ici vous parler d'un point essentiel qui va vous aider à mieux intégrer ces stratégies et utiliser ce pouvoir de la préparation pour développer votre business, développer votre réussite dans tout ce que vous entreprenez. Il faut savoir que le cerveau
subconscient. Lorsque l'on, par exemple, on a un événement et on veut se préparer, on peut être un peu angoissé, un peu paniqué, un peu stressé. Pourquoi ? Le cerveau a tellement de choses à enregistrer. Il y a des événements qui se passent et des choses qu'on répète tous les jours, tout au long de notre vie. Et si à chaque fois, ça demande énormément d'énergie dans le corps, parce que le corps utilise près de 80% de toute l'énergie qu'on a dans tout le corps. Ça, quand on boit de l'eau, quand on se sent en pleine forme, notre énergie, quand on réfléchit, quand on l'utilise, utilise énormément d'énergie, de ressources. Donc, son objectif, c'est d'en économiser le plus possible pour pouvoir les utiliser pour d'autres choses et nous aider finalement à faire fonctionner tout le reste. Donc, ça veut dire quoi? Pour éviter de toujours répéter les mêmes choses, puisqu'il a l'habitude de répéter toujours parfois les mêmes choses, les mêmes décisions, les mêmes réflexes, il enregistre une série de métaprogrammes, hein, c'est un peu des fichiers et des dossiers, qui sont pris des expériences passées. Quand ça, un événement s'est passé, il enregistre, il sait que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est sécurité, ça c'est danger par exemple. Et tout ça est enregistré dans cette mémoire interne, hein, du subconscient. Ce qui fait que, en réalité, dès qu'il se passe un événement, la réponse est quasiment automatique. Vous n'avez plus besoin de, vraiment, le cerveau n'a plus besoin d'aller chercher trop d'énergie puisqu'il a enregistré un certain fichier. Ça veut dire que si vous vous projetez pour un événement et vous dites « je veux me préparer à cet événement », si maintenant la situation pour vous est connue, votre cerveau va s'imaginer la scène, la situation. Et en fonction des programmes qu'il a enregistrés, vous aurez un certain feeling, un ressenti. Si ça s'est mal passé, vous aurez ce rappel qui reviendra. Et si ça s'est bien passé, il y aura aussi un bon rappel qui reviendra en vous. L'idée, c'est bien évidemment de corriger ces souvenirs pour qu'ils soient positifs en vous projetant avec un scénario positif. Je vous ai partagé d'autres conseils dans cette vidéo où je vous ai montré un peu comment vous projeter et créer cette imagerie mentale. Vous pouvez le découvrir dans le i comme info ou dans la description quelque part sur cette chaîne. Et puis, lorsque vous n'avez pas encore vécu cette situation, on prend le cas où c'est un nouvel événement, vous avez le cerveau, le subconscient aura tendance à aller chercher la partie un peu plus sombre, la partie un peu plus inquiétante. Comme c'est une situation inconnue, il y aura une forme de peut-être peur, anxiété, bref. Le tout, c'est que dès que vous commencez à le réaliser, ça change déjà énormément pour vous. Parce que vous réalisez qu'en réalité, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de fichier dans le dossier. Et comme il n'y a pas de fichier, on en prend un inquiétant, on le met, on est en panique, on a cet inconnu. Si vous, premièrement, réussissez à insérer un fichier ou remplacer l'ancien fichier, déjà cette situation peut-être qui vous fait peur dans cette préparation, qui vous met dans un état qui n'est pas bon, va changer. Et pour ça, rien que la prise de conscience, se rappeler à quoi ça vous fait penser, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose et comme il n'y a pas grand-chose, vous allez pouvoir mettre quelque chose dedans en vous imaginant que c'est très positif. Voici maintenant 7 conseils rapides, stratégiques, que je veux que vous puissiez noter pour les appliquer. Le premier conseil, tout d'abord, c'est d'accepter l'idée de la préparation, que c'est une idée positive. C'est déjà donc c'est tout le temps que j'ai passé depuis le début de cette vidéo, c'est de vous convaincre de cette idée afin qu'à la fin de cette vidéo, vous ne passiez plus à côté de vos hautes performances, votre vrai potentiel, parce que la préparation, c'est souvent ça qui fait la différence. Vous n'avez pas forcément besoin d'être 10 fois meilleur, mais la préparation, premièrement, ça apaise le stress, mais ça vous permet vraiment de performer à un niveau très élevé et c'est ce qu'utilise le top 2% pour pouvoir effectivement se démarquer et être dans la haute performance. Donc, acceptez cette idée que c'est positif, que c'est bien pour vous et de vous dire « ok, là je le valide ». Ensuite, deuxième point, c'est d'identifier les prochains événements importants pour vous. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas simplement vous arrêter sur des événements, mais là, pour si vous commencez dans ce jeu et cet exercice, je veux quand même que vous fassiez cet exercice en identifiant les prochains événements importants qui sont importants pour vous, qui vont se réaliser dans les différentes sphères de votre vie, dans votre business. Ça peut être un rendez-vous spécifique, ça peut être un entretien spécifique, ça peut être un échange spécifique et notez-les tout simplement pour voir à quoi ils ressemblent, c'est quoi, vous les notez avec le plus de détails possible. Lorsqu'ils sont notés, vous allez pouvoir, c'est très important ce que je vais vous partager là, visualiser cette situation et de voir automatiquement les obstacles qui arriveront dans votre tête et dans votre esprit. Oui, je sais, normalement, on a l'habitude de vous dire, il faut rester uniquement focalisé sur tout ce qui va se passer positivement, sur les objectifs qui vont se concrétiser, réaliser, et c'est ce que évidemment je vous invite à faire. Mais les dernières recherches en neurosciences ont démontré que le fait même simplement de reconnaître qu'il y a des obstacles potentiels, de les reconnaître, de les voir, libère les neurotensions, donc les tensions neuronales qui peuvent exister. Ça apaise déjà, donc ça c'est très important. Et puis également, ça vous permet de créer déjà une situation comme si elle était déjà vécue. Donc, vous imaginez défier cette situation et avancer. Donc là, c'était le troisième point. Vous visualisez tous les obstacles qui pourraient arriver. Au lieu de ne pas les visualiser et de se dire « je sais qu'il y aura des obstacles,
je n'ai jamais pensé à ces obstacles. Et comme vous ne savez pas quels sont les obstacles qui peuvent arriver, il y a un trou dans vos fichiers. Et donc, ça va créer le stress, la panique, l'angoisse de façon perpétuelle, sans même peut-être que ce soit vrai. La plupart, en fait, de nos craintes n'existent pas vraiment. Et là, vous imaginez qu'est-ce qu'il peut arriver pour vous. Vous notez, si vous voulez, sur ce même document. Quatrième point, c'est imaginez-vous maintenant des solutions pour surmonter ces obstacles. Et je vous invite à faire confiance à votre intuition. Ne pas vous dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Vous identifiez, vous laissez, vous faites confiance à votre intuition. Cette partie de vous va trouver des solutions pour pouvoir surmonter ces obstacles. Et là, une fois de plus, c'est très important. Dans les dernières recherches neuroscientifiques, on a démontré que simplement le fait ici de s'imaginer, de se projeter, d'avoir finalement résolu cette situation, va créer chez vous, en fait, des modèles neuronaux, c'est-à-dire des connexions neuronales, pour faire en sorte que votre subconscient se dise « Oui, je connais maintenant cette situation et je sais comment ça se passe, j'enregistre un fichier positif. » Parce qu'il ne saura, et ça c'est la grande nouvelle et ce qui me fascine vraiment dans cette démarche, ce développement, cette croissance que je fais avec des grands chercheurs aux États-Unis pour en apprendre encore plus sur la science de notre cerveau et de la mettre au service de notre business, de notre vie et de faire avancer de façon plus concrète et stratégique, c'est que votre subconscient ne fera pas la différence entre la réalité et la fiction. Il pourra s'imaginer que vous avez vraiment surmonté ces obstacles de la vie réelle. Ça fait que lorsque vous vous retrouvez dans ces vraies situations-là, il aura le sentiment de les avoir connues, de les avoir résolues. Et il y aura surtout un sentiment positif, un feeling positif, des émotions positives qui seront associées à cet événement quand vous arrivez à vous entraîner comme ça, à jouer avec ce schéma-là. Ensuite, c'est ça le cinquième point, c'est imaginer le parcours réussi. Donc vous avez imaginé de surmonter les obstacles au quatrième point, maintenant le cinquième point, c'est imaginer tout l'obstacle réussi comme ça, vous vous entraînez, vous le repassez, ça vous fait plaisir. Comment est-ce que vous vous ressentez? C'est dans le moment présent. Détachez-vous de vous-même, observez la scène, observez-vous, voyez votre sourire aux lèvres et ce sentiment en regardant vos proches, votre satisfaction personnelle, à quoi ça ressemble. Et donc c'est super puissant et intéressant. Après ça, sixième point, revenez dans le moment présent. Revenez dans le moment présent parce que lorsque vous allez accomplir cet événement, cette tâche, le top 2% réussit ce qu'il fait et vraiment dans le top parce qu'il sait être présent dans le moment présent. Lorsque vous avez eu ça, vous avez créé ça, il est essentiel pour vous de revenir dans le moment présent et de simplement créer cet ancrage et de vous dire « je vais le pratiquer dans le moment présent ». Ne vous pensez qu'au moment présent. Faites confiance en vos capacités. Votre subconscient est tellement puissant. Il a vécu cette scène. Si vous avez fait l'exercice plusieurs fois, il a le sentiment qu'il le maîtrise. Il n'a pas fait la différence entre la réalité et la fiction, c'est vrai. Mais il a vraiment le sentiment qu'il connaît. Donc ensuite, vous n'avez pas besoin de trop calculer, de trop… Vous avez bien préparé. Et votre habilité à faire confiance à votre intuition, à vivre le moment présent, à faire ce qu'il faut faire, vous trouverez les bonnes réponses. Vous trouverez les bonnes idées à faire. Vous prendrez les bonnes décisions dans ce moment présent. Et puis, septième point, insérez cette démarche dans votre vie de tous les jours. Pour ne pas que ce soit uniquement pour cette démarche que vous avez préparée, mais que ce soit quelque chose que vous pratiquiez tous les jours de votre vie pour le restant de votre vie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et ça va littéralement changer votre vie. Je me rappelle que lorsque j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur, il y a pas mal d'années ça, jeune entrepreneur avec beaucoup d'énergie, je faisais tout pour toujours performer, me dépasser, avoir un bon niveau. Et la bonne nouvelle pour moi, j'étais très satisfait et je suis fier de le dire, c'est bien de reconnaître les bonnes choses aussi. C'est que les performances étaient remarquées, elles étaient vues, elles étaient visibles par moi-même d'abord, mais également par rapport aux gens qui étaient autour de nous. Et c'était rien de magique. C'est pas parce que j'avais plus d'éléments que les autres. J'en savais souvent moins parfois parce que j'ai tout appris sur le terrain. C'est tout simplement parce que, en réalité, c'est tout simple. Je prenais un temps de plus de préparation, aussi simple que ça. Lorsque je savais qu'il y avait un tel point, par exemple, sur tel sujet, par exemple, un séminaire, une conférence sur un tel domaine, au lieu d'arriver comme tout le monde et de découvrir, moi, j'utilisais Internet, un livre, je posais une question à quelqu'un avant. Et le simple fait d'en savoir un tout petit peu plus sur les autres, avec un court temps de préparation, faisait en sorte qu'au moment présent où j'étais 100% présent, ça changeait, ça marquait vraiment la différence. Et je me rappellerai toute ma vie, une des phrases que j'ai lues un jour, au début de la vingtaine, il y a pas mal de temps, quand j'ai lu sur un mur une citation qui m'a marqué, je ne sais plus de qui elle est, et quand on ne sait plus, on dit c'est Confucius qui l'a écrite. C'est
Les grands orateurs n'improvisent que les textes qu'ils connaissent par cœur. Et ça m'a surpris en me disant que les personnes qui ont vraiment une grande habileté, en réalité, se préparent, connaissent bien leur sujet, leur matière, et ensuite n'ont pas besoin de tout connaître par cœur, sont dans le moment présent, dans l'instant présent. Et c'est cette différence, cette intuition, cette force, cette énergie, cette assurance aussi, parce que la confiance en soi se gagne, vu que vous avez pris le temps de préparer, fait en sorte que de succès en succès, de gloire en gloire, tout avance et tout se pratique dans votre vie. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble deux erreurs qu'on commet souvent quand on pense à la préparation. C'est premièrement de ne pas se préparer en pensant qu'il faut le faire, c'est pour les autres et pas pour nous. Deuxièmement, c'est de se préparer uniquement pour des événements ponctuels, sporadiques, sans le faire tout le temps. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait pour ça savoir accepter cette idée positive de la préparation, l'ancrer et qu'elle fasse partie de vous. Ensuite, identifier les prochains moments qui sont importants pour vous, pour réussir ce que vous voulez faire et pourquoi cette préparation est importante. Troisième point, visualiser les obstacles pour que votre cerveau s'imagine déjà ces situations et que ce soit des situations connues et plus de stress, de panique, d'angoisse, d'inconnu. Quatrième point, imaginez-vous surmonter ces obstacles pour créer des connexions neuronales très importantes et le fait simplement de le reconnaître apaise le tout. Cinquième point, imaginez le parcours réussi. Sixième point, revenir dans l'instant présent pour être dans l'instant présent et de faire cette connexion avec ce qui est plus de différence entre le futur et le présent, mais une vraie connexion. Et puis, septième point, insérer cette stratégie, cette façon de fonctionner dans tout ce que vous faites. Parce que lorsque je dis toujours, si vous avez des projets importants, et je sais qu'en suivant cette vidéo, vous en avez des projets importants, la personne que vous rêvez de devenir, le style de vie que vous rêvez d'avoir, les personnes autour de vous, tout cela n'est qu'une question de temps. Si vous voulez au fond de vous, vous savez que vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour ça. Personne, ne pourra vous en empêcher et personne n'a besoin de vous donner des autorisations. C'est ma garantie, ma certitude pour vous. C'est tout ce que j'ai cru, toujours cru et pensé pour moi. Et je sais que c'est comme ça que vous devez aussi penser pour vous. Ce que je viens de vous partager fait partie d'un parcours de transformation. Je vous ai parlé de mon parcours d'entrepreneur, 15 années déjà maintenant. C'est un parcours qui est semé d'histoires, de stratégies, de découvertes, de rencontres, énormément de relations et c'est énorme. Et ce parcours fait partie de cette stratégie d'un parcours plus complet qui s'appelle le parcours de transformation ALEC. Ce sont les quatre phases que tout entrepreneur et passionné de liberté doit pouvoir passer, traverser, pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 à son premier million d'euros et ensuite de le reproduire année après année. Il y a quatre phases, la phase de l'alignement, dans laquelle on parle de psychologie gagnante et de différents points. Ensuite, il y a la phase de lancement, où on développe le business, on fait le lancement, on gagne ses premiers revenus, on gagne ses premiers 100 000 euros. Ensuite, la phase d'expansion, où on va accélérer, on va multiplier l'équipe, on va multiplier les ressources et sources de trafic. Et puis la phase de consolidation, on va consolider, on va investir son argent, on va le démultiplier pour devenir, passer simplement de « je gagne bien ma vie » à « je fais fortune, je suis riche, je suis heureux, je suis épanoui dans tous les domaines de ma vie ». J'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale résumées dans un seul document. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger votre exemplaire gratuit en cliquant quelque part sur ce site. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est accompagné d'une présentation que je vais vous donner ici rapidement, dans laquelle je vais vous montrer exactement comment utiliser ce document, comment l'appliquer, dans quelle situation, afin qu'il soit très pratico-pratique pour vous. Dites simplement à quelle adresse email vous envoyez cette invitation et vous pourrez le recevoir aussitôt. Je vous envoie toute mon amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi comment en appuyant le pouce bleu « J'aime » qui est juste au bas de cette vidéo. Ça prend 3 secondes. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Donc, vous appuyez dessus. Vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne manquer aucun autre partage. Et puis, dites-moi en commentaire ici au bas de cette vidéo qu'est-ce que cette vidéo vous a permis de comprendre, d'apprendre et surtout ce que vous allez pouvoir utiliser et appliquer. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre et à vous partager d'autres enseignements stratégiques. Les meilleurs vœux de succès et d'amitié. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.